Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Myriam Delisle et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. En manchette aujourd'hui, une soirée bénéfice au profit de la Fondation Anna Labelle. En fait, cette année, l'édition signature locale du vin et tapas, ça va avoir lieu au Centre multifonctionnel Guy Dupré de La Prairie. On réserve une belle soirée aux invités, la sommelière Jessica Arnois qui va être là avec nous, qui est bien connue. Également, le restaurateur chez Julien de La Prairie qui va s'occuper de la portion nourriture. Donc, il va avoir un bel accord mets et vins. Mise au point sur le vaccin contre la grippe. Alors, l'objectif principal de la campagne de vaccination contre la grippe, c'est vraiment de protéger les personnes les plus vulnérables, celles qui sont le plus à risque de complications et de décès causés par la grippe. Un nouveau programme de hockey haut niveau au Collège Bourget. On va avoir une structure plus flexible. Donc, on a la chance d'avoir notre propre glace, donc, mais qui est très utilisée. On a plusieurs équipes de hockey présentement. Donc, pour les vols, les entraînements vont être planifiés spécialement en matinée. Donc, c'est certain qu'au niveau de la structure scolaire, elle va être adaptée. On va avoir une équipe d'enseignants, donc avec une pédagogie assez novatrice, là, qui va nous permettre, par exemple, s'ils partent en tournoi à partir du jeudi, donc on va avoir une concentration de cours en début de semaine, mais l'horaire va faire en sorte que les entraînements vont se dérouler le matin et le contexte scolaire un petit peu plus tard dans la journée. Exposition de l'artiste Diane Collet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Ça fait 50 ans que je fais de l'art, alors ça fait 50 ans que je suis en train d'expérimenter. Et vous allez voir la variété, il y a toutes sortes de médiums, mais je crois que ça se tient très bien quand même.